Buonasera, sono la madre di Roberto. Mio figlio mi ha detto che lei fuma in sua presenza e che tiene in casa videocassette pornografiche. Lei si dovrebbe vergognare. Comunque mio figlio da lei non ci metterà più piede, chiaro? Interrogazione di storie di ieri? Ho fatto sega, mi sono sciallata a Villa Panfili. Pischelle? Sarà presa le pischelle un po' da froci. La logica mi sfugge. Non ha molta voglia di studiare, però è intelligente, è spiritoso. Dovresti dirglielo. Che cosa? Sono suo padre? Sei impazzita? Mi direbbe a morte. Ma tu guarda sto stronzo! No. Ripeti quello che hai detto. Ha detto stronzo, no, ti dico pure io. Non è un po' del pecco, eh. Quando te pare, ti do pure indirizzo. Viene senza la patretta. Stronzo! Quello è il mio indirizzo. Se Luca continua così, verrà bocciato. Questa scuola per lui è troppo impegnativa. E poi tanto è inutile perché a 16 anni smette di studiare, quindi. Ma cosa fai? Il militare, lo spazzino, il cameriere. Il cameriere? Tu? Lei qui quanto guadagna al mese? È solo per fare un esempio al ragazzo con cui si stava parlando. Ma saranno cazzi mia, magna del suo libro. Perché piangi, Patroclo? Bamboletta sembri. E fa del frocio. Anche Achille sa per questo, non disdegnava. Achille era frocio. Noi speriamo che questo film vi sia piaciuto, speriamo che vi sia piaciuto questo film. Insomma, iniziamo in due modi diversi. Io faccio la prima domanda. Sì. O diamo subito la parola al pubblico, il che non è male. Ecco, già un dito si ma alza. Ci sentiamo comunque, puoi parlare. Sì. Il mio amico qua voleva chiedere, però si vergogna. Ma era la stessa domanda. Era la stessa domanda. No, io non avevo domanda. No. Qual era la parte autobiografica? Beh, tutto il film nasce da un mio rapporto molto difficile con mio figlio, che all'epoca in cui l'ho scritto aveva 16 anni. E ha odiato la scuola per tutta la vita. E questo mi dava una grande sofferenza perché, insomma, io faccio lo sceneggiatore, sono stato un buon studente. Mi dispiaceva molto che lui odiasse la scuola e non solo odiava la scuola, ma diceva cose che dice il ragazzo del film, cioè da grande voglio fare lo spacciatore. E quindi, insomma, io mi disperavo molto, però quando raccontavo queste cose, i nostri dialoghi ai miei amici, vedevo che ridevano come dei matti, in particolare Paolo Virzì, che è un carissimo amico, e quindi ho pensato che poteva essere una commedia divertente, però con un significato anche non stupido, insomma, non banale. Allora, la questione iniziale è: qual è la part d'autobiografia in questo film? Allora, Francesco nous dit qu'effectivement elle est grande, dans ce sens où le film est né de ce rapport conflictuel avec son fils, son propre enfant. Et donc, ce que dit le jeune, bien souvent, il l'a entendu dire par son propre fils. Dans ce sens, tu veux faire quoi quand tu seras grand? Dis-leur. C'est une réalité. Une réalité. Et donc, effectivement, la part d'autobiographie est très forte dans ce film. Et ce fils qui, à l'école, allait très mal, n'aimait pas du tout, alors que moi, j'aimais bien ça, j'étais bon élève. Et là, effectivement, j'étais déçu de l'attitude de mon fils par rapport à l'école. E poi anche il fatto che mi sentivo in colpa perché evidentemente come padre non ero riuscito a impormi. Ce personnage reflète effectivement ce que je suis en grande partie. Un padre debole. Sì, un père qui est faible, qui n'a pas su s'imposer auprès de son fils. Moi qui ai voulu être une autorité, mais qui n'ai jamais voulu être autoritaire avec mon fils. Voilà. Mais effectivement, j'ai toujours été un peu trop faible, probablement. Le problème de ma génération, et tous mes copains de mon âge ont eu un peu le même problème, a été que nous sommes des pères, mais qui avons voulu des enfants comme des copains. Quand on jouait avec PlayStation,
on a fumé des joints avec nos enfants, et ça ne va pas. Ça a été l'erreur fondamentale de notre génération. Voilà. Alors, parce que effectivement, nos parents avaient été très autoritaires avec nous. Et donc, on a essayé d'aller au-delà, mais finalement, on s'est planté aussi. Parce que eux étaient trop rigides et nous, on était un peu trop laxistes. Donc, le gros problème a été celui-ci de ma génération en tant que père et mère. Alors que la mère, effectivement, c'est l'affection, c'est la maman en poule, etc. Alors que le père doit quand même représenter cette limite de l'autorité parentale. Qui est le personnage qui avait évolué le plus ? En fait, on a voulu que les deux personnages, le fils, enfin l'enfant, oui, le fils, et son père devaient évoluer, tous les deux. Et on a remarqué que probablement le personnage du père avait évolué, disons, avait progressé le plus. Parce qu'au départ du film, c'était un personnage assez vieux, assez âgé. Et au fur et à mesure, on voit qu'il devient plus dynamique, qu'il devient plus soucieux, qu'il va plus vers l'enfant. Et à la fin, même, il est prêt même à courir, quoi. On le voit à la fin avec son cyclomoteur qui traverse la ville complètement. Donc effectivement, dans ce sens, le personnage que joue Bentivoglio a évolué un peu plus. La bacchetta magica ha funzionato solo nel film o anche in realtà? Alors, est-ce que la baguette magique a fonctionné que dans le film ou dans la réalité aussi? La bacchetta magica ha funzionato nella realtà. Donc, cette baguette magique a fonctionné, mais surtout pour l'acteur, le jeune acteur qu'on voit, qui avait à l'époque des problèmes, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de sa vie. Et depuis, effectivement, c'est devenu un acteur confirmé et affirmé. Donc pour lui, cette baguette magique a très très bien fonctionné. C'est tout autre chose pour mon fils, qui a continué à ne pas vraiment aimer l'école. Heureusement, il a quand même eu son bac. Mais ensuite, il est devenu rappeur. Mais il y a une chose qui est tout à fait positive aussi. Maintenant, c'est un rappeur qui devient effectivement aussi sur la scène nationale, confirmé avec son groupe, etc. Donc peut-être... Il n'est pas devenu dealer. Voilà, il est... C'est une chose. C'est une chose très positive, il n'est pas dealer, il est rappeur. Et pourquoi pas peut-être un jour prochain à la Koufa. Pour un petit concert. J'espère. Quello che volevo chiedere, quant'anni ha lei e suo figlio per la differenza di quegli anni? L'età che Donc, monsieur nous disait que avec nos enfants de cette génération, on a été un peu trop permissif. Et Francesco disait qu'effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que cette génération de parents a été donc les papas copains, quoi. Et ce film a cela de très bon, c'est qu'il a provoqué des émotions chez les gens qui sont allés le voir. Et à la fin des projections, il y a eu des parents, des mères, etc., qui venaient à la fin de la projection en pleurant, en disant « Oui, on connaît ça, on a les mêmes problèmes ». Et donc, ce film, effectivement, a montré du doigt, vraiment, a mis le doigt sur un problème de société actuelle, qu'il soit italien, qu'il soit français, qu'il soit européen, qui est un problème de génération, effectivement. La configuration actuelle de notre société est telle que nous ne passons pas beaucoup de temps avec nos enfants. Et c'est le point crucial, le problème. Parce qu'avec nos enfants, si on veut vraiment les éduquer, il faut passer beaucoup, beaucoup, énormément de temps avec eux. Et dans le film, on le remarque lorsque l'enseignante dit au père, et oui, mais moi je suis enseignante, je ne peux pas tout faire. Donc vous avez votre part de responsabilité. Éduquez votre enfant, et ensuite, nous, on pourra lui enseigner des choses. L'instruire, c'est ça, tout à fait ça. Et sans cela, il y a un problème. Mais la configuration sociale d'aujourd'hui est telle que les mères, quasiment toutes les mères travaillent, les deux parents travaillent. Donc le soir, lorsque l'enfant dit « Oh papa, j'ai une version de latin à faire », le père, il a envie de faire, surtout de ne pas la faire, de faire toute autre chose, de se reposer, quoi.
et pas de rester avec son gosse à la fin, après la journée de travail, la mère qui a travaillé, qui doit encore faire les travaux de la maison, etc. Et c'est ce qu'on disait, donc ce que vient de dire Francesco. Il y a 20 ou 30 ans, à la fin de la journée, on mettait les gosses devant la télé. Aujourd'hui, on les met devant Facebook, Instagram, etc. Et ça pose encore d'autres problèmes de l'utilisation de ces réseaux, de cet Internet qui n'est jamais vraiment maîtrisé. Le bon usage de cela. Et ça crée d'autres problèmes d'aujourd'hui. Voilà. Oui, la génération des années 50, à l'époque, je dirais même nos parents qui n'étaient pas plus cultivés intellectuellement, savaient tout juste lire et écrire, ne passaient pas plus de temps avec nous. Mais à l'époque, ils savaient dire non. Aujourd'hui, avec toutes les facilités qu'on a, on ne sait plus dire non. Tout en les aidant. Donc, la question était partie sur les parents qui aujourd'hui ne savent plus dire non à leurs enfants, différemment du passé. Et donc, effectivement, sur ce rapport qui a bien changé au cours des, disons, quatre dernières décennies. Francesco nous disait qu'effectivement, son père était une sorte de totem pour lui, parce que lorsqu'il rentrait le soir fatigué de sa longue journée de travail, leur mère leur disait « Taisez-vous, soyez calme, papa est rentré. Le soir, on mangeait ensemble, oui, d'accord, mais ensuite, on devait être calme parce que notre père devait aller se coucher. » Parce qu'il lui attendait d'autres journées longues et difficiles. Et aujourd'hui, avec mon enfant, ce n'est plus la même chose. Parce que mon enfant, il n'a pas cette crainte que j'avais moi de mon père. Cette peur qui était presque institutionnalisée, excusez-moi. Voilà, c'est un peu ça. De toute façon, dans la société française, italienne, etc. C'est-à-dire la société des années 60, 70 et même 80. Ça a bien changé. Ah oui, et que donc l'enfant maintenant non, aujourd'hui, si on lui dit non, bah, il dit en gros, je m'en moque, je ferai autrement. Tu peux me dire non autant que tu veux, mais de toute façon, je trouverai bien le moyen de faire, même sans ton consentement. Voilà, donc l'autorité parentale, effectivement, aujourd'hui, on a pris un sérieux coup. Il y a une scène qui m'a quand même, le film m'a bien plu, mais il y a une scène qui m'a quand même un peu irrité. Parce qu'on attendait, durant tout le film, on attendait la scène où le père allait raconter à son fils que lui était son père. Et on le fait sur la place de jeu, hein, où le fils se cache. Et là, elle m'a un peu déçu la scène parce que le fils, là, il prend ça comme... moi aussi, quelqu'un me dit, voilà, je suis ton père, depuis 15 ans, j'étais ton père et je te connais, et tu ne me connaissais pas. La réaction du fils, il manquait quelque chose dans cette scène. Sì, ho capito perfettamente. Io avevo molta paura di quella scena. Donc j'avais effectivement très peur de cette scène. Alors dans le cinéma américain, cela aurait été traité d'une manière différente. Avant donc le combat contre le grand ennemi, les gens se seraient réunis autour d'un feu, auraient dit leurs quatre vérités avant d'y aller. Et là donc, effectivement, cette scène, je la craignais, ce moment précis. Et c'est pour ça que j'ai scindé cette scène en deux parties, en deux moments. Donc il y a, et le premier moment correspond en fait au moment le plus faux. Jamais il n'aurait dû dire cela à ce moment. Et dans la deuxième partie, finalement, c'est une révélation qui est presque comique. Et ce que je ne voulais surtout pas faire, c'était mettre dans cette scène de la rhétorique. Et surtout ça, le point essentiel, je ne voulais pas que cette scène soit rhétorique. Oui, que ce soit une scène de rachat. Ce n'était pas ça du tout avec du sentimentalisme, etc. On ne voulait surtout pas ces effets rhétoriques. Mais c'est pour ça, de toute façon, c'est pour ça que l'enfant, il a répondu à un moment, heureusement tu ne l'as pas su avant. Il ne serait peut-être jamais revenu. La résolution du problème de ce conflit entre le père et le fils n'advient pas dans cette scène, il adviendra plus tard, dans la scène avec le vrai méchant. Lorsque justement ils sont dans le parc, les méchants arrivent avec donc la drogue et ils voient quoi, cet enfant? Ils voient que ce grand dealer, ce grand voyou, admire
énormément son père qui a été son ancien professeur. C'est le seul professeur qu'il admire, qu'il a pu admirer dans toute sa vie. Et donc là, il comprend que son père a énormément de valeur. Et c'est là que le rachat advient dans le film. Il a eu son déclic. Oui. Je voulais savoir pourquoi ce titre Challa. L'expression qui est diventata molto. Qu'on ne connaît pas bien l'origine de cette expression Challa. En plus, c'est un fait de langage générationnel qu'on a connu à Rome autour des années 2010. Quoi. Ça voudrait dire papa, rien. Laisse tomber, quoi, laisse courir, ne m'embête pas, quoi, c'est bon, cool, sois cool, voilà, sois cool. Mais bon. C'est ça. Et donc, à la fin, bah, étant donné que cette comédie a un peu un rythme de, qui pourrait... Ouais, ce rythme lent qui pourrait justement être traduit par ce challarsi, ce challa. Donc, on a conservé ce titre simplement challa, de cette expression générationnelle des années 2000. Quel a été le commentaire de votre fils à propos du film? Est-ce qu'il s'est reconnu? Est-ce qu'il a appris quelque chose ou il a dit « papa, t'as exagéré » Non. Donc mon fils effectivement a beaucoup apprécié ce film. Il a beaucoup apprécié ce film à l'époque. Il m'a dit bon c'est bien, c'est un bon film, papa. Mais il n'est pas très expansif. Mon fils est un peu réservé, donc il m'a dit juste bah, avec une tape c'est bien. Vous avez pu l'entreapercevoir quelques secondes au moment où le protagoniste était sorti de son école. On leur donnait des papiers politiques pour la gauche. Et lui dit non, j'en veux pas. Et l'autre lui dit, dégage, espèce de connard. En gros, c'est un peu ça l'idée. Ok, mais va te faire foutre. Et ça, celui qui a dit ça, c'est mon fils. Et la professoresse est ma moglie. Le prof et sa femme. Donc c'est vraiment un film. Et c'était dans mon quartier. C'est le bar où je prends le matin le cappuccino. Voilà. Et toutefois, mon fils, à certains moments, était un peu jaloux du protagoniste. Mais il m'a fait l'honneur, l'immense honneur, lui, rappeur de succès, d'être acteur dans mon pauvre petit film qui va sortir dans quelques mois. Ah oui, avant toute chose, il a demandé quand même combien il toucherait. Son fils donc était devenu jaloux, pourquoi? Parce qu'avec ce jeune acteur, qui dans sa vie personnelle n'avait pas connu son père, pendant le film, on est devenu très, très intime. Même après le film, on a conservé de très bons rapports, on se voyait encore. Et je suis devenu en quelque sorte pour lui une figure paternelle. Et c'est pour ça qu'après tout ce rapport sur plusieurs années, mon fils a commencé à exprimer comme tous les enfants du monde qui voient un autre enfant arriver un peu dans la famille. Mais papa, qui est ton fils vraiment? Tu aimes qui? Lui ou moi un peu le plus? Mais je dirais, oh! Mais bon, c'est une chose qui est réglée. Maintenant, ils ont 22 ans tous les deux à peu près. Ils sont grands, c'est réglé. C'est ça. Et votre deuxième film, c'est quoi? Le titre. Le titre. Le deuxième film è già stato fatto. Ah. Le deuxième film si chiamava Noi Quattro. Nous quatre. Nous quatre. Il est sorti il y a 2-3 ans. Si, il était ici des années. Mais c'est 2 ans. Deux ans. Il a 2 ans. Et 2 ans. Le prochain. Ça, c'est le troisième. Sì, il deuxième film s'appelle Nous quatre, il racconto, le conto. Un récit. Un récit, une histoire d'une famille romaine dans une seule journée. Quatre personnages, madre, padre, figlio e figlia, in un unico giorno a Roma. Donc, c'est l'histoire d'une famille, quatre personnages, le père, la mère, le fils et le père. Et pendant une journée très difficile à Rome. C'est donc comme l'histoire toutes, de... Comme toutes les Luca. Giornate à Roma, sono molto. Basta che tu devi andare da un posto a un altro, è una giornata. Parce que dès qu'on doit se déplacer dans Rome, ça devient c'est une chose impossible. Quoi. L'idée de la pornostar. Ah. Donc la question pose sur pourquoi cette pornostar, cette star de porno, dont il doit écrire les mémoires. Donc lui, effectivement, je l'avais vu comme un nègre.
Donc pourquoi? Parce qu'effectivement, il s'était retiré donc de sa vie. Il était prof, il s'était retiré de sa vie. Donc je ne voyais que écrire des choses vraiment basses, des choses viles. Donc effectivement, soit la biographie d'un footballeur, soit la biographie effectivement là d'une star du porno. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, il était devenu en quelque sorte complètement impuissant. Et cette star du porno, si on voit, enfin, si on remarque très bien que c'est elle, finalement, qui domine dans la relation. L'homme de la situation, les couilles. Et lui, il n'en a plus, quoi, depuis bien longtemps. Donc, c'est très simple. J'aimais ce personnage impuissant. J'aimais ce personnage impuissant parce qu'effectivement, la force de l'homme ne doit pas dériver, sa force virile ne doit pas dériver simplement de son pénis, de son organe génital. Simplement pour ça. Qual è l'eroe classico? Quel est le modèle de héros antique? Alors, avant tout, Hector, parce que c'est mon préféré dans l'Iliade. Mais effectivement, comme tu le disais, Aîné aussi. Parce que justement, Aîné anticipe la pitié et la piété chrétienne. Et elle la souffre. Voilà. E infatti il padre lo dice al figlio quando parla di Aenea, dice la pietas, voilà, il rispetto per gli altri. Le père le dit e lo redit a son fils, la pietà, le rispetto per gli altri, qui viene effettivement du personnage d'Aenea. E je pense qu'on va clore le débat, s'il n'y a plus de questions. Je vais dire un petit peu. Ma sta andando via. No, grazie. Buonasera. Mio figlio mi ha detto che lei fuma in sua presenza e che tiene in casa videocassette pornografiche. Lei si dovrebbe vergognare. Comunque mio figlio da lei non ci metterà più piede, chiaro? Interrogazione di storie di ieri? Ho fatto sì, che mi sono sciallata qui la panfili. Pischelle? Sarà piazzare pischelle e un po' da proci. La logica mi sfugge. Non ha molta voglia di studiare, però è intelligente, è spiritoso. Dovresti dirglielo. Che cosa? Che sono suo padre? Sei impazzita? Mi direbbe a morte. Ma tu guarda sto stronzo! No. Ripeti quello che hai detto. Ha detto stronzo, no, ti dico pure io. Non è un po' di ripecco, eh. Quando te pare, ti do pure l'indirizzo. Vieni senza la patretta. Stronzo! Quello è il mio indirizzo. Se Luca continua così, verrà bocciato. Questa scuola per lui è troppo impegnativa. E poi tanto è inutile perché a 16 anni smetto di studiare, quindi. Ma cosa fai? Il militare, lo spazzino, il cameriere. Il cameriere? Tu? Lei qui quanto guadagna al mese? È solo per fare un esempio al ragazzo con cui si stava parlando. Ma saranno cazzi mia, magna del suo libro. Perché piangi, Patroclo? Bamboletta sembri. Ho fondato il frocio. Anche Achille so per questo, non disdegnava. Achille era frocio. La